pour Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apporte? Quel sujet que tu veux que j'amène pour édifier les frères et sœurs? Parce que notre but, quand on vient en avant pour apporter le message, ce n'est nul autre que tout simplement de servir le Seigneur, puis d'être utile à son œuvre et que nos frères et sœurs soient édifiés. Puis, le Seigneur m'a conduit. Il y avait plusieurs sujets que j'avais dans ma liste. Puis je me suis dit, ouais, en tout cas, je vais essayer de prendre à lui que tu voudras, que je conduis moi. Donc, ce matin, j'aimerais vous parler le fait d'être cette exhortation à devenir comme les enfants, à être humble comme les petits-enfants. Je pense que ce n'est pas la première fois que vous avez une exhortation sur le sujet, mais je vais dire comme l'apôtre Paul ou Pierre a dit, « Je ne vous lasse pas de vous répéter les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. » Alors, c'est bien de se rappeler les principes bibliques. Souvent oublié, même si on a entendu plusieurs fois, je sais très bien que je dois être humble comme un enfant. Mais dans la vie de tous les jours, vous savez, on oublie. On oublie et c'est bon de se le faire rappeler. Pour ça, pour ce sujet-là, premièrement, ce que j'aimerais mentionner, être comme des enfants, ça ne veut pas dire faire la folie que les enfants font. OK? Parce que les enfants, ce n'est pas parfait, ce n'est pas des anges parfaits. La Bible dit la folie est attachée au cœur de l'enfant. Alors, il y a des choses que on a vieilli et donc il ne faut plus pratiquer. Mais à certaines autres choses, le Seigneur nous dit, oui, il faudrait que vous soyez comme des enfants. On va lire Matthieu 18, le verset 1 à 14. Et je demanderai à deux personnes de lire 7 versets chaque, avant qu'on puisse vraiment s'attaquer au sujet comme tel. Le verset 1 à 14, Matthieu 18, 1 à 14. 7 versets chaque. Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi le plus grand dans le royaume des cieux, est celui qui s'abaisse lui-même comme cet enfant. Et celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, m'accueille moi-même. Si quelqu'un devait faire tomber dans le péché l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule que font tourner les âmes et qu'on le précipite au fond du lac. Quel malheur pour le monde qu'il y ait tant d'occasions de tomber dans le péché. Il est inévitable qu'il y en ait, mais malheur à celui qui crée de telles occasions. Le prochain. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géante. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui s'est égarée. Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de notre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Merci beaucoup. Alors, Seigneur,
beaucoup de leçons à tirer de ces versets, de ce passage. Parfois, c'est facile à comprendre, mais pas facile à mettre en pratique. Et nous avons vraiment besoin de toi, Seigneur Dieu, pour que tu nous aides dans notre cheminement à te ressembler davantage et à nous humilier davantage devant toi, à dépendre de toi entièrement, Seigneur Dieu, comme les petits-enfants, Seigneur. Encore une fois, Seigneur Dieu, conduis et bénis, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen. Alors, le verset 1, c'est une grande question, n'est-ce pas? En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Suite à ça, ça va déclencher tous les autres versets qu'on vient de lire. « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Je comprends les disciples. T'sais, ils ont en leur présence la personne qui a réponse à tout, même si des fois, il ne veut pas tout révéler. Là. Mais c'est une personne qui a réponse à tout. Et cette question-là, me semble, ça leur trotte dans la tête. Ça leur trotte dans la tête. Qui va être le plus grand dans le royaume des cieux? Vous vous souvenez l'épisode des fils de Zébédée, quand leur mère se présente au Seigneur Jésus, ordonne que mes deux garçons, là, mes deux enfants, mes deux fils, un soit assis à ta droite, l'autre à ta gauche. Qu'est-ce que le Seigneur a répondu? Vous ne savez pas ce que vous demandez. Hein? Et vous connaissez l'histoire. C'est pas la première fois, c'est pas la seule fois que le Seigneur est interrogé sur ce sujet-là. Et nous allons voir, analyser plus sa réponse concernant ça, là, les versets 2 à 5. Mais avant de s'attaquer à ça, à ces premiers versets-là, j'aimerais parler avec vous de ce que c'est plus un enfant comme tel. C'est quoi la foi d'un enfant? Croyez-vous que un enfant, un petit enfant, puisse avoir une foi authentique? Le croyez-vous? Moi, je pense que oui, puis la parole nous le dit aussi. Puis j'en suis conscient que même moi, le premier, si j'étais en face d'un enfant qui me dit que je demande « Crois-tu en Jésus? » Il va me dire oui. « Crois-tu qu'il est le Fils de Dieu? » Oui. « Qu'il est mort? » Il va dire oui. Il peut dire oui à toutes mes questions. Sauf que, en tant qu'humain, je vais quand même avoir des deux doigts. Il est jeune, pas mal. Jusqu'à quel point il comprend. La parole de Dieu. Il dit oui, là, mais je ne sais pas à quel point il comprend. Je ne sais pas jusqu'à quel point sa foi est authentique, ou jusqu'à quel point il est convaincu de sa foi, et ainsi de suite. Et on peut se poser des questions. En tant qu'être humain, on a des doutes. Mais le Seigneur nous répond clairement ici. Dans le verset 6, ça dit, « Si quelqu'un scandalisait un de ses petits qui croit en moi. » Voyez-vous? Un de ses petits qui croit en moi. Le Seigneur reconnaît que des petits-enfants comme ça peuvent avoir la foi en lui, une foi peut-être bien simple, une foi peut-être pas trop développée, avec une conscience fragile, on conviendra. Puis facilement scandalisable, voilà pourquoi que le Seigneur avait mis en garde de ne pas scandaliser un de ses petits. Mais tout de même, c'est quand même une foi authentique que le Seigneur reconnaît ici. Puis non seulement ça, ce qui est important, c'est que le Seigneur dit, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme un de ses petits, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Alors, même qu'il nous exhorte avec ça à croire comme un petit enfant, à avoir une foi simple comme ça. Puis,
Ça, ça veut dire que nous tous qui avons cru et qui sommes sauvés, en quelque part, nous avons fait cette démarche de croire en sa parole malgré qu'aux yeux du monde, c'est quand même, la Bible est quand même improbable. Je pourrais dire, aux yeux du monde, la Bible est un conte de fées. On s'entend? Le récit de la création, wow, c'est pété ça. Le monde va dire c'est pété, c'est sauté. Le récit de l'Exode, tous les miracles que Dieu a faits, ben, comment le monde dirait? Ça n'existe pas. C'est des contes de fées. Tout ce que le Seigneur Jésus a fait, toutes les prophéties qui sont dans la parole de Dieu, tout ça relève du domaine de la foi, des choses qu'on ne voit pas, des choses qui sont fabuleuses, des choses qui sont extraordinaires, des choses qui ne sont pas dans le commun des choses, des choses qui sont hors commun. Et toutes les promesses de vie éternelle, le millénium, le retour de Christ, l'enlèvement, le jugement dernier, le grand trône blanc, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. Tout ça, là, essayez de regarder ça avec les yeux de quelqu'un qui ne croit pas, qui est inconverti. Moi, déjà, ma petite sœur m'avait dit, « Hey, Kossal, c'est un conte de fées, ça. C'est un conte de fées. Quand tu me dis quand tu me parles de l'enlèvement, là, que vous allez être transformé, avoir un nouveau corps, puis que vous allez vous envoler dans le ciel à la rencontre de Dieu dans les airs, wow, c'est un vrai conte de fées. Puis que des morts ressuscitent. Mais nous, le Seigneur a touché nos cœurs. Il a transformé nos cœurs de pierre en cœur de chair. Il nous a rendus capables de croire à ces choses-là, de croire en sa parole, même si c'est un conte de fées pour le monde. Il nous a rendus capables de croire à ça, et ça prend de l'humilité pour ça. Puis de croire dans le sacrifice du Seigneur Jésus, bien, que son sacrifice nous justifie, que par lui seul, on peut être justifié et non pas par nos œuvres. Parce que le raisonnement du monde, c'est que, regarde, c'est les œuvres qui justifient. Là, si je fais beaucoup plus d'œuvres que de mauvaises, je vais pouvoir aller au ciel. Je vais être plus juste que mauvais, autrement dit. Nous, on dit, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit que tu deviens juste si tu es lavé et purifié dans le sang de Christ. Ah, ça, c'est hors de l'entendement aussi. Hey, c'est quoi la patente? Tu deviens juste à croire. Bien bizarre. Ah, donc, cette foi-là, on a fait ce pas-là de croire, de nous abaisser puis de croire en le Seigneur Jésus. De reconnaître qu'on est pécheur, puis de faire un pas de foi et d'humilité pour accepter ce salut-là, puis accepter toute l'autorité et la véracité et, de la parole de Dieu. Merci Seigneur. Pour ce qui est je me rends compte que j'ai un peu devancé ce que j'avais prévu, mais revenons à... Pour l'enfant comme tel, le Seigneur nous confirme que oui, un enfant peut avoir une foi authentique. Et mon autre question, c'est à quel point est-ce que Dieu aime les enfants? Du verset 5 jusqu'au verset 14, là, ça nous dit comment est-ce que le Seigneur aime les enfants. Le verset 5, « Quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » Alors, le Seigneur s'identifie à eux. Puis si quelqu'un
scandalisait un de ses petits. Et là, ça va mal pour lui. Le verset 6, ça dit, « Si quelqu'un scandalisait un de ses petits qui croit en moi, il vaudrait mieux qu'on lui suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. » J'ai pas... Quand je lisais ce passage-là, je m'étais dit, « Wow, c'est une mort comme un autre. » Je veux dire, s'il avait dit, il se ferait, comment je pourrais dire, transpercé par l'épée, puis il va mourir. Ben, c'est pas si différent que ça, là. Mais en réalité, c'est particulier, ce châtiment-là que le Seigneur a prononcé. Vous savez comment c'est grand, une meule de moulin? J'aimerais qu'on puisse l'afficher sur l'écran. Pardon? C'est pesant, hein? On va le voir, là. Ça, c'est une meule de moulin trouvée en 2016, là, à la pointe Esther. C'est au Québec. Regardez comment c'est grand, le monsieur en arrière qui manipule la machine pour le lever, là. Alors, comment ça pèse? Je ne sais pas. Mais je peux vous dire que si on attachait ça à votre cou, là, puis qu'on vous jette dans le fond de la mer, c'est parce que qu'on ne veut pas que vous sortiez de là. OK? On veut que vous restiez là, que vous restiez là dans la mer, dans le fond de la mer, isolé, abandonné, dans le silence, dans le noir, et vous mourrez étouffé et noyé. Puis, le Seigneur a donné cette raison, cet exemple-là pour montrer comment c'est grave scandaliser un enfant, un petit enfant qui croit en lui. OK, merci pour l'image. Puis, la personne mourrait étouffée, noyée. Je ne sais pas si vous savez, mais... il y a quelque chose, selon moi, c'est pas la même chose mourir noyé, étouffé, que d'être transpercé puis son sang versé. Le Seigneur, les apôtres ont prescrit aux chrétiens des nations de s'abstenir de viande sacrifiée aux idoles puis des animaux étouffés. Vous vous souvenez de ça? Il y a quelque chose qui n'est pas sain dans ça. Alors donc, celui qui scandaliserait un de ses petits, bien, c'est ça qu'il mérite. Qu'il soit attaché à une meule de moulin, puis jeté dans l'oubli, dans le fond de la mer, abandonné de tous. Le Seigneur veut nous dire par là combien c'est important de ne pas scandaliser un de ses petits qui croit en lui. Et ça ne s'arrête pas là. Les trois versets suivants vont encore appuyer cette exhortation-là. Il dit, « Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur celui par qui le scandale arrive. » Je ne voudrais pas être quelqu'un comme ça. Et là, il va faire une exhortation, un parallèle, une exhortation qui va servir non seulement pour, dans le contexte des petits-enfants qui sont ici, mais qui va être applicable dans toute autre circonstance également. Il dit, « Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains puis d'être jeté dans le feu éternel. » Et il dit, « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux puis d'être jeté dans le feu de la géhenne. » On sait que c'est quand même imagé, ça, là. Premièrement, on sait très bien que ceux qui vont entrer dans le royaume de Dieu, même s'ils étaient handicapés, même s'ils manquaient un bras, même s'ils manquaient un œil ou deux yeux, ils n'entreront pas
physiquement, là, ils vont être restaurés dans le royaume de Dieu. Donc, on voit que il ne faut pas prendre ça à la lettre comme telle. Mais l'exhortation que le Seigneur donne ici, au fond, le résumé de ça, c'est « Fais tout dans ton pouvoir pour ne pas être une occasion de chute. Fais tout dans ton pouvoir. » En particulier, vu que le Seigneur avait donné cet avertissement-là dans le cadre des jeunes enfants, en particulier les jeunes enfants, les petits-enfants. Évite, fais tout pour ne pas être une occasion de chute. Pour quiconque, même pour toi-même, mais en particulier pour les petits-enfants, donc que le Seigneur parle ici. Ensuite, le verset 10, il va faire une révélation. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Ah oui, il y a des anges qui veillent sur ces enfants-là, et ce n'est pas n'importe quel ange. C'est ceux qui ont le privilège de voir continuellement la face de Dieu. Et après ça, le Seigneur nous donne l'histoire ou la parabole de la brebis égarée. Cette parabole-là, elle nous explique dans le cadre de l'évangélisation, tout ça, et on le comprend, ce n'est pas la première fois qu'on le lit. Mais avez-vous remarqué qu'il a été donné dans le cadre des petits-enfants encore, pour montrer comment que Dieu aime les petits-enfants, comment qu'il s'attache à ces petits-enfants-là? Là, il va comparer, il va raconter l'histoire de la brebis égarée en disant, si vous aviez 100 brebis et qu'il y en a un qui se perd, ben vous l'aimez assez, là, tellement là, que vous êtes prêt à laisser les 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui est égarée. Alors, comment est-ce qu'on voit par là comment que le berger aime chacune de ses brebis? Que n'importe laquelle des 100 s'égare, il va aller chercher cette brebis égarée-là et il va laisser sur les montagnes les 99 autres. Non pas qu'il n'aime pas les 99 autres, mais il y en a une qui s'est égarée. Alors, il ne veut pas perdre aucune brebis, aucune brebis. Et l'histoire a été donnée ici pour montrer vraiment l'amour du berger pour chacune des brebis. Et le Seigneur, dans le verset 14, il le termine en revenant sur les enfants. « De même, il n'est pas de la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il ne se perde un seul de ses petits. » Voyez-vous? C'est en lien avec ça qu'il a donné ces enseignements-là, en particulier. Alors oui, le Seigneur aime les enfants à ce point-là, tout comme il nous aime également. Mon autre question, pourquoi est-ce que Dieu les aime comme ça? C'est-tu parce qu'ils sont beaux, ils sont cute, ils sont petits, puis on voudrait les croquer, hein, quand on... Je me souviens quand mes enfants sont nés, là, comment que je... Ils sont cute, ils sont beaux, puis je passerais mon temps à les catiner, tout ça. Ça, c'est nous. Mais le Seigneur, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça qu'il les aime, les enfants. Les petits-enfants. Le Seigneur aime les petits-enfants parce que, pour leur innocence, leur pureté de cœur, leur simplicité, leur crédulité et, entre autres, l'humilité qu'ils ont. Vous connaissez les enfants autant que moi, là. Je n'ai pas besoin de dresser un gros portrait, là. Mais pourquoi que je pose cette question-là? Bien, c'est parce que le Seigneur nous exhorte à être comme les petits-enfants. Puis c'est bon de réfléchir là-dessus, puis de voir dans quoi que le Seigneur veut que je sois comme des petits-enfants. Comme on a dit tantôt, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Et ça,
c'est sûr que le Seigneur ne veut pas qu'on fasse ça. Mais le Seigneur, dans l'exhortation qui nous est donnée ici, le verset 3, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Tel que mentionné tantôt, on a fait ce pas-là. Vous allez voir ici, bien, on peut voir ici, il y a comme deux niveaux, deux pas à faire, donc, qui est exprimé ici. Le premier pas, on a cru. Malgré que toute l'histoire de la Bible là, est hors de compréhension, tout ça, on a cru. On a cru. Et le deuxième pas, c'est le verset 4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Wow, quand même! On aurait pensé que le Seigneur aurait dit, voici, c'est lui qui sera le plus grand dans le royaume de Dieu, c'est celui qui aura fait le plus d'œuvres, qui aura sauvé, qui aura amené le plus d'âmes dans le royaume des cieux, ou celui qui aura fait la plus grande œuvre. Non, il n'a pas dit ça. C'est quand même étonnant qu'il ait dit que quiconque se rendra humble comme ses petits-enfants sera le plus grand dans le royaume des cieux. Alors, c'est quoi le critère? C'est l'humilité. Ici, on parle de l'humilité à l'extrême. À l'extrême. Donc, le Seigneur veut qu'on soit humble comme des enfants, mais par contre, il veut qu'on soit affermi comme des maîtres. Hein? Il veut qu'on ait un cœur pur et simple comme des enfants, mais sage, avisé et instruit comme des disciples accomplis. Puis pour Dieu, là, pour Dieu, l'humilité est grand. C'est lui qui peut s'abaisser, qui peut faire abstraction de son propre moi, de sa propre personne, qui peut faire abstraction de son orgueil. Bien, celui-là est grand devant Dieu. Oh, vous connaissez tous le verset. Celui qui s'abaisse sera élevé, puis que celui qui s'élève sera abaissé. On voit que c'est important l'humilité pour le Seigneur. Pourquoi? Comme on a vu au début, Nabuchodonosor a dit que toutes les nations ne sont que néant à ses yeux. Pas en termes de valeur, mais en termes d'autorité, en termes de grandeur, en termes de magnificence, tout ça, en termes de... Ben, puis le chant le dit aussi, « Je ne suis rien, mais dans ton cœur, tu me connaissais même avant la création du monde. » On a beaucoup de valeur devant le Seigneur, sauf que on n'est pas grand-chose en réalité. On est un souffle. Puis celui qui s'élève, qui ne reconnaît pas cette réalité-là, qui prétend être un grand, celui qui prétend être quelque chose, eh bien, il a tort. Il a tort. Parce qu'il n'est rien sans Dieu. La parole de Dieu nous dit, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Puis si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu? » Quelqu'un peut dire, j'ai un grand QI, je peux faire plein de choses, je comprends plein d'affaires, puis il peut s'enorgueillir pour ça. Mais en réalité, il n'est rien. Ce n'est qu'une créature du Seigneur. Tout ce qu'il a vient de Dieu. Alors, c'est important pour Dieu qu'on puisse reconnaître cette réalité-là, notre petitesse, qu'on reconnaisse notre petitesse. Puis celui qui fait ça, là, qui réussit à faire ça, à vivre cette réalité-là, bien, c'est grand. C'est grand.
aux yeux de Dieu. Ce matin, ce que j'aimerais souligner, c'est l'importance d'être humble devant Dieu. Puis comment que Dieu voit l'humilité. Pour lui, l'humilité est grande. Parce que lui seul, au fond, lui seul a autorité et puissance sur toute chose. Lui seul est digne d'être loué et adoré. Et nous, ben, on est en lui. On n'est rien d'autre que ses créatures, qu'il aime, qu'il chérit, que même il a envoyé à son fils mourir sur la croix, mais on n'a aucune motif ou excuse ou, je pourrais dire, motivation pour nous glorifier. Pour nous glorifier, on n'a rien. Voilà pourquoi Dieu aime cette humilité-là. OK? Et bien voilà, je ne m'éterniserai pas plus longtemps sur le sujet. Ce que j'aimerais, c'est demander vraiment au Seigneur de nous aider dans notre vie de chaque jour à nous faire petits, comme les petits-enfants, mais par contre, quand même, à être affermis comme des maîtres, puis à être sages et avisés comme des disciples accomplis. Seigneur grand Dieu, merci Seigneur pour ta parole. Merci qu'on peut voir c'est quoi l'importance pour toi que l'on s'humilie. C'est pas rien. Quand tu dis « Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux », bien, on voit par là que, à tes yeux, c'est important qu'on s'humilie devant toi, qu'on ne s'élève pas, qu'on ne s'enorgueillisse pas. Seigneur, fortifie-nous et fais-nous marcher dans tes voies. Seigneur, j'aimerais aussi, avant de terminer, penser à nos frères et sœurs là, qui sont malades, comme notre frère Jean-Marc, que tu puisses le relever selon ta volonté, Seigneur. Notre frère Sylvain aussi, notre sœur Guylaine, notre sœur Rachel et d'autres personnes probablement qui souffrent dans leur corps. Je te prie d'être avec eux, Seigneur Dieu. Et fortifie-nous chaque jour dans nos vies, Seigneur. On parle de l'humilité ce matin, mais il y a beaucoup d'autres aspects de notre vie chrétienne qu'on doit mettre en pratique. Souvent, on les oublie, mais rappelle-nous, Seigneur, afin que nos vies te glorifient toujours, Seigneur. Amen. Alors,